Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la plateforme pour cette nouvelle vidéo sur l'ombre de la guerre. Donc, on va prendre des bonnes résolutions en ce début d'année, donc bonne année pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos de bonne année, pardon, excusez-moi, ça me chatouille l'œil. Sans doute un poil de mon chien, mais c'est pas grave. Oui, donc des bonnes résolutions. Qu'est-ce que j'entends par là? On va essayer de réduire le temps perdu sur cette série autour de comment de la quête de tous les pauvres petits péons. Et on va essayer de se dépêcher à faire les quêtes de l'histoire, tout simplement. Ça me semble bien plus intéressant. Confrontation tribale, confrontation tribale, confrontation tribale. Tribale, tribale, tribale. Et après, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible seulement? On voit que j'ai des quêtes disponibles. Donc, Ogondor, ça ne sert à rien. Eltariel, Minas Morgul, Minas Morgul. Cerregost. La flamme glacée. Nurnen, mission de siège. Voilà, mission d'ennemis jurés, les ombres du passé, l'atelier du destin. Donc voilà, apparemment, on aurait fini l'histoire de ce côté-là. Du coup, on va passer à une autre région, on va pas prendre forcément la base. Pourquoi je ne la prends pas? Parce que de toute façon, de toute manière, il y aura quelqu'un pour me la reprendre derrière. Donc, bref. Du coup, on va essayer d'aller ici, déplacement rapide, pour continuer la quête du Balrog. Il y aura l'un d'entre vous qui me la repiquera derrière. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une utilité à les prendre pour l'histoire? Je ne sais pas. Si c'est le cas, ben on y reviendra. Mais en tout cas, on va essayer de donc déjà d'une de réduire la durée des épisodes qui sont de 45 minutes, c'est beaucoup trop long. Enfin, 35 à 45 minutes, c'est beaucoup trop long pour que ce soit regardable tranquillement. C'est déjà de base. Et aussi, parce qu'il va falloir que je passe à l'autre jeu aussi à un moment ou à un autre. C'est pareil pour South Park, j'ai de réduire un petit peu les épisodes. Bon, Destiny 2, lui, il va carrément être rasé et oui, bah, supprimé un petit peu pendant un temps, bloqué pendant un temps de la chaîne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de contenu. C'est pas qu'il y en a un petit peu, c'est qu'il n'y en a pas. Donc pas d'intérêt selon moi. Fais comme moi. Trouve un esclave à cogner, c'est radical. Ah bon? Hop là, tu n'as rien vu. Alors t'as un problème? Est-ce que t'as mal à la tête? Est-ce que t'as besoin d'un doliprane? C'est rassurant d'être en sécurité derrière ces murs. Dans le Mordor, nous ne serons jamais en sécurité. Ok, ça c'est fait, ça c'est dit. Bon, du coup, est-ce qu'il n'y a pas un petit drake dans le coin, un truc dans le genre? Forcément, non. Ah là là, c'est sympa d'être à la maison. Les fosses de combat, la loi du plus... Mais je suis au courant. Je connais, j'ai déjà joué au jeu, merci. Hop. J'aimerais juste me rendre de l'autre côté de ma propre ville, si ça te dérange pas. Oh là 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 là. Les contrôles sont un peu... J'ai pas envie de dire qu'ils sont pourris, c'est pas le cas, mais ils sont vraiment tweaky. Hein. Le moindre petit gravier sur la route peut vous faire changer complètement d'avis. Et on sait jamais à quelle distance ta lion va sauter. Hein. C'est... Et là, il vient de montrer d'un seul coup en haut du truc, quoi. C'est... Est-ce que ce serait pas dans la crotte? Bon, ça m'étonne qu'il soit rentré jusque dans la grotte, dans une fosse encore, vous voyez, comme on le voit au niveau du film. Pourquoi pas, parce qu'il il peut s'envoler quand il le souhaite, le Balrog. Quelque chose vient de bouger par là. Parce que moi j'imagine que le Balrog vole. C'est vrai que j'ai jamais pensé à ça. Est-ce que le Balrog vole? Est-ce qu'un Balrog ça vole? Et Non, j'allais dire qu'on est tous dans la même faction ici, mais pas forcément finalement, je suis un peu stupide. Hop. Mais oui, j'imagine que le Balrog vole, non? Oui, on l'a vu voler, non? Je ne sais plus. Putain, je sais plus du tout, quoi. Oh là là. C'est comme j'aurais pu prendre mon Caragor, justement. Putain, mais tu vois plus, hein. Hop. Hop, les. Allez, on y va. Sprint. Message. C'est con parce que c'est le moment où je m'arrête, où il n'y a plus de contenu sur Destiny 2 que tout le monde rentre dans le clan. Donc je pense que je vais refiler le lead du clan, enfin en tout cas je vais mettre un officier, je pense que je vais mettre Merci en officier. Ah bah c'était là, pardon, c'était là, excusez-moi. Écoutez, il y en a un pauvre qui se fait...
Ah. Non mais tu fermes toi. What? Hop les. Désolé. Je sais pas si j'ai l'impression d'avoir frappé un de mes potes, mais... Désolé. Bref. Allons-y. Targoroth sème la panique et la destruction dans tout le Mordor. Envoyez ce Balrog dans les profondeurs. Ok, pas de soucis. Florizar! Vite, vite, vite! Ouais, bah, tu sais, si tu parlais un tout petit peu plus fort dans mon micro. On brûle sur son passage. Voilà. Targoroth ne sera pas difficile à trouver. C'était ma faute. Suis le feu! Je le prends. Ça brûle tout. C'est marrant, il y a quoi? Il y a 3 secondes, rien n'était en feu, hein. Ce que je regrette dans certains open world en ce moment, un petit peu. Bon là ça va, il y a la base qui est là, qui est prête, qui est tout machin, qui est tout bidule. Mais ce que je regrette dans certains open world, c'est tout simplement l'absence de conséquences. Alors que l'open world c'était ça à la base, c'était de l'immersion et des conséquences. Par exemple, même dans Skyrim, qui est très très vieux maintenant Skyrim, hein, on voyait de moins en moins de camps... de la faction à laquelle vous étiez opposé. Ah donc il est dans une grotte de glace, d'accord, ok, pourquoi pas. Je... Il a fait demi-tour. Il attend de faire pleuvoir le feu. Allez, Florizar. C'est quoi? Ah, c'est une fuite. Je touche ou pas là quand je fais ça? Aïe. Putain, mais c'est... C'est chaud d'anticiper, dis donc, ouais. Ah, ça sert à rien d'anticiper. D'accord, c'est pas de l'anticipation, c'est du blocage que je dois faire. Il a pris un raccourci. D'accord, ok. Je cautionne. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Ok, c'est cool. C'est cool. Oh, lui aussi il attaque Fouillian. Enfin, c'est pas vraiment Fouillian, hein, mais... Fouet flamme. Ok. Je reconnais que ça pue si t'es en 1v1 avec, hein. D'accord, il... Aïe. Il aime courir, je comprenais pas ce qu'il faisait. Aïe. Eh ben je vais décéder. Balrog vient d'un autre monde. C'est à nous de jouer, Talion. Ah ah, bouffe. Ça ne marche pas. Ah ah. Chavadiash Mozop. Ok, oui c'est vrai que tu te dis, j'ai une pauvre épée, lui il a des pauvres flammes. Il y a une grosse différence d'armement. Nous éclairons ton abysse et nous éteindrons ton feu. Ah, oh, l'ombre et la lumière. L'ombre et la flamme, pardon. L'ombre et la lumière, c'est autre chose. Ça. Ça, c'était stylé. Pourquoi tu te déplaces pas comme ça en vrai tout le temps? Monter, descendre. Alors attendez, normalement, il y a un moyen. Ah d'accord, faut que j'anticipe un peu plus, il met un petit peu de temps avant de réagir. Oh ! Comme la poutre, tombe comme la pluie, noie ses flammes. Bouffe ! Tiens, prends ton bain. Bah alors, t'aimes pas l'eau ? Merde alors. Allez, Taïo ! Le froid. Aïe, oh la vache. Je suis pris un coup de shotgun à bout portant. Ah vache, c'est chaud à viser, dis donc, ouais. Aïe.
Je sais même pas si c'est moi qui lui fais des dégâts ou s'il s'en fait tout seul. J'ai l'impression qu'il s'en fait tout seul. Ah. You have failed. Oh, j'ai raté. Vas-y, dans l'eau. Je te tire dans l'eau. Dans l'eau, te dis-je. Dans le bain. C'est bien. Voilà. Il aime pas ça. Hein. Pourquoi je suis devant lui? Gagner de la puissance pour utiliser jet glacé. Mais j'ai pas l'impression de toucher. Il met tellement trois plombes. Allez. Hop, et bon, par contre là j'ai pris cher. Tout en visant. Ah putain. Tiens, headshot. Ça jette un froid, n'est-ce pas? Il faut expédier cette... Plonge! D'accord, je plonge! Voilà! Black. Ah oui, j'ai failli plonger moi aussi dans l'eau. Hein. Mais non, pas encore, tu viens de le faire! On vient de voir cette animation! Ok, allez, viens dans l'eau, dans ton bas! Allez, dans ton bas! Qui reste cette fois-ci? Merde, il en ressort à chaque fois. Je sais bien que la baignoire est pas grande, mais elle s'agrandit à chaque fois que je l'y colle normalement. Ça fait mal. Dégage de mon chemin. Ça jette un froid. Boum. Pourquoi ça le tue pas? Qu'est-ce qui lui arrive? Il va faire un truc à la con. On va faire des bouboules, oui, vous attendez un truc un peu plus pété. Ah bah il était rigolo, je suis à 3 km par contre. Hein. Ah Taillot. Ok. Bon bah du coup Florizar a évolué en quoi? En libégone, un petit peu sur les bords. Ok, cool. Donc libégone versus Dracofeu. Libégon, je sais jamais su comment on le disait, moi je dis libégone. Libégone. Je te jetterai dans la glace, Libégone. La non-mort vaincra la non-mort. Ah, on l'a battu. L'objectif c'est de donner un bain au Balrog. D'accord, ok. Ouais, il a l'air très convaincu. Kelebrimbor. Et c'est fini. Ouais. Why not? Ok. Point d'aptitude obtenu. Voyons voir jusqu'où on pourrait le mettre. Brutalisation. Oiseau de proie, j'utilise pas tant que ça. Faudrait peut-être que j'utilise. Provoque une explosion de feu. Une explosion de gel. Une explosion de poison. Alors, il y a très peu d'ennemis qui ont l'air d'être résistants au poison. Ce qui pourrait être sympa. Donc, je vais le faire. Parce qu'on a pu voir qu'il y a de plus en plus d'ennemis qui ont des immunités. Donc, autant profiter de chacune des possibilités disponibles. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a à faire? Quête Deltariel. Disponible en Urnen. Disponible en Urnen. D'accord. Gorgoros. Ça, c'est les missions de siège. Mission d'ennemis jurés, pourquoi pas. Ok. Ça me dit pas trop ce qu'il y a à faire. Bon bah du coup on va aller à Ciri Thungol. Ciri Thungol ou Minas Morgul? Minas Morgul, ça fait longtemps. Ciri Thungol un peu moins. Ciri Thungol, c'était à l'intérieur. On va aller à l'intérieur, ça fait longtemps qu'on sait pas. J'aurais peut-être dû aller directement dans déplacement rapide, cela dit. Ouais voilà. On va y aller comme ça. Hop. Ciri Thungol, ça fait longtemps qu'on n'est pas resté dans la Ciri Thungol, c'est pas dans la caverne? Ciri Thungol, c'est pas censé être le passage de d'Arachne. D'Arachné, pardon. Ok. T'étais un copain, donc retourne-toi. Mobilité verticale. Ok.
Bon bah apparemment... Ah si, c'est à droite là-dedans, on pouvait passer à l'intérieur, je me souviens. Il me rappelle Zougor la brotte... c'est la brute, pardon. Pourquoi je dois m'occuper de lui? Eltariel a découvert un nouveau... D'accord, ok. Bon bah, go for it. Direction, direction... Bah... Ok. Alors ça c'est intéressant, je suis censé aller faire une quête, mais je n'ai personne. Qui me l'affiche. Ou si... Maintenant c'est bon peut-être? Ah maintenant c'est bon, d'accord, elle t'est pas affichée à deux secondes j'ai l'impression. Il est temps de régler ce problème d'élu à la source. Plus nous avançons, plus nous sommes proches d'affronter leur maître. Ouais. Alors si leur maître c'est Monsieur Sauron, enfin non leur maître c'est le roi sorcier apparemment plutôt. Dégage. Non c'est personne, regarde je suis comme toi. C'est vrai que je serais planqué un peu plus, j'aurais moins d'emmerde. Ah oh, je me rappelle de cette zone. Oh, je me rappelle de cette zone. Je voulais pas m'en souvenir. Le Targ puant, mais tu t'es vu? C'est toi qui pue. Bonjour. Tu m'as pas vu. Oh, oh, qu'est-ce qu'il est réactif. Qu'est-ce qu'il est réactif. Mange. Mange. Voilà. Hack. Ah ah, ah bah merde, je suis pas tout seul. Mange. Oh, oh merde. Oh, oh raté. T'es trop mauvais. Allez c'est parti, où est-il? Oh, mange-le. Mange-le. Il est là en marchant tranquillement. Voilà, il est pratiquement full life comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Oui non, ça doit être des trucs pour reprendre une forme, la forme de comment, de Celebrimbor et accomplir son passé, mais on n'a plus le temps pour ça. Coucou. Bon, de toute façon, je vais te laisser vaquer à tes occupations, mon petit. Évite de me pousser, s'il te plaît, j'ai un truc à faire quand même, merde. Voilà. Eltariel a découvert le lieu d'un rituel effectué par les Nazgûl. Interrompez-le afin d'empêcher les Nazgûl de créer d'autres élus. C'est parti. Et manque de barbe, hein. Finalement, vous voyez, je tourne peut-être un petit peu trop. Parce qu'il y en a en fait, hein, mais elle se voit pas. Oh, c'est de lumière aussi dans ma vidéo. Ok, ça va être tout vert. C'est donc ainsi que les élus sont créés. Alors, je me rappelle qu'on était censé interrompre le rituel. Les Nazgûl se concentrent sur le rituel. C'est le moment idéal pour frapper. Bonjour. Ah non, même pas. Mieux vaut les éliminer discrètement. Est-ce que vous croyez que ça va marcher? Ah, trop loin. Ah, trop loin, d'accord, ok, bon bah... fallait savoir. Fallait savoir, comment je peux recommencer? Quitter la mission, je suis con, c'est juste là. Je pensais que ce serait suffisant, vous savez, en termes de longueur, mais non, apparemment non. C'est dommage. Ah non! Tu te moques de moi? Ah non, ça va. Si j'avais su, je serais allé jusque là en me téléportant. Ok, où est-ce que tu vas me coller? Allez, allez, off. Oh, des fois, il fait 40 000 km de saut, mais... Ah! Ah, voilà, vous voyez, là, il a bien fait un saut correct. Alors que tout à l'heure, non, il voulait absolument se mettre sur le bord. Enfin bon, ce n'est pas grave. On va y arriver cette fois-ci. On va faire les choses bien. Moi, j'aime bien quand les choses sont bien faites. Oui. Les archers sont aux aguets. Mieux vaut les éliminer discrètement. On va essayer un truc simple. Attendez, il y en a un là-bas qui regarde pas dans le bon sens.
tu peux... Si on tombe sur des araignées, on reste ensemble. Oh, on restera ensemble, t'en fais pas. Hop. Alors apparemment lui n'était pas archer. J'aimerais bien savoir à quoi ressemble un archer pour le moment. Ah, je suis bloqué sur mon truc. Là, on est d'accord, ça fait 1. Ah non. Alors, j'aimerais bien comprendre où sont ces archers que je suis censé tuer furtivement. Ah non, putain, domine. Mais ça va pas, je lis pas ce qui se passe. Oh là 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 là. Hop. On va recommencer, je vais y arriver. You can do it, it's better together, hein, tout ça, tout ça. Wouh! Alors si certains n'ont pas compris encore pourquoi je dis Better Together, l'objectif de dominer les archers, c'est... Ah oui. Mais arrête-toi un mètre devant, y'a pas de soucis. De toute façon, y'a personne sur la minimap. Y'a personne dans la base entière. Ah ça y est, ça mène pop. Enfin bon, là n'est pas la question. It's Better Together, pourquoi? Parce que comme je domine, je les mets dans mon équipe, donc on est together. Together, together, everyone. Hein, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont vu High School Musical ou qui ont subi High School Musical comme moi. Oui, bah, j'ai déjà entendu ton rituel, ça fait 3 fois que tu le fais, hein, bonhomme. Mieux vaut les éliminer. Mais du coup. Cette forteresse est épatante, non? Je crois pas que quelqu'un pourrait la prendre. Pas si le chef suprême a son mot à dire. Bah, limite, non, je vais pas m'embêter, je vais le faire venir. Pourquoi après tout je ferai différemment? Bonjour! Hop là! Tu fais partie de mon équipe maintenant! Ok, il a pas voulu s'agripper au mur! Vous voyez ce que je veux dire au niveau des contrôles? Sans vouloir être méchant! Peut-être un petit peu sur les bords, mais ça va, hein, rien de bien. Ah, bien méchant. bref, tu veux bien venir par là, s'il te plaît? Non? Bah non, forcément. Puis là, c'est l'autre qui va me voir. Alors, tout à l'heure, j'ai pu le faire. Je ne peux plus. Ah, attendez, il se déplace. Il va peut-être vouloir venir maintenant. Ah! Sauron est ton frère de sang? Merde! Si j'avais su. Attendez, il se déplace. Il se déplace. Oui, viens voir papa! Allez, dépêche! Oh là 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 là, qu'il est lent. Ça y est. Par quoi tu préférerais être emporté, Clop? Quoi que ce soit. Bonjour! Ça fait deux! Vu qu'il n'y a personne dans la base entière, hein. Regardez. Pourquoi je m'emmerderais? Déplace-toi quand même. Alors, apparemment, j'ai pas le droit de cibler cet homme. Là à droite. Pour une raison que j'ignore. Je ne peux qu'attirer lui là-bas qui. Et je fais un bruit de monstre! Je me rappelais pas qu'il faisait ce bruit là. Domination furtive. Ça fait 3. Après tout, par contre, tu peux le déverrouiller celui-là ou pas? Je n'aime pas ça. J'ai cru qu'il allait pas le faire, mais effectivement, il était parti pour ne pas le faire. OK. Bon bah ça fait 4. Je commence à avoir quelques archers de mon côté. Bon. Ils font semblant de me voir là-bas, mais...
Voilà, un copain en plus. Alors je sais plus combien ça fait 5 non? 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça ouais. Ok. Putain, dans Prince of Persia, on se déplaçait plus vite comme ça sur leur bord. Alors, est-ce que j'ai le droit de te cibler? Non plus. Vous avez entendu ça? Non, t'as rien entendu du tout. Hop, bonjour, ça fait 6. Et les autres, ils sont là-bas. Oh, j'aurais tous les archers de mon côté, cela dit, ça serait rigolo. Arche, décoche, bandé, décoché. Oui, arrêtez de penser que je dis autre chose quand je dis bandé. Tu veux bien? Mais putain, mais... Oh, la gueule. Je suis obligé de le virer de mon écran pour le... pour déverrouiller le truc, quoi. C'est fou. Je suis désolé, moi, ça me choque, hein. On est dans un jeu... 2017, et... Voilà! Tous les archers sont dans quelques secondes à Bibi. Hop là. Voilà. Ça, c'est fait. Archer. Ensemble, affrontons la mort. Allez, là-bas. Ah ah! À l'épreuve des flèches! Forcément. Bonjour, Nazgûl. T'as pas de nom. Tu viens aussi te mettre au service du roi sorcier. Car tel est ta destinée. N'en doute pas. Nous n'arrêterons jamais, ni avec les élus, ni avec toi. Et le mec qui court derrière complètement en feu. Personne ne résiste au pouvoir du roi sorcier. Il nous submerge et l'emporte sur nous tous. Il nous renforce et nous détruit. Ah là 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 là. Les gardes aux ruses du rôdeur. Allez. C'est stylé, toi. Regardez, de la chair humaine. On va s'amuser. Tu sais pas déjà enrôler, toi? Ah putain, faut voir que je fasse gaffe à lui, surtout. Ah oh, putain, il enchaîne, lui. Aïe. Raté! Oh la vache! Je l'ai pas vu venir ce coup-là! Oh bah par contre là, si j'ai pas le... J'essaie de manger... Ah merde, forcément! Voilà, dégage de mon chemin! À l'épreuve des flèches, bah oui, forcément. Les copines, il va me falloir un petit coup de main. Raté. Aïe, oh là 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 là, ils font mal. Ils font quoi? C'est toi qui vas m'achever? Ah non. Raté. C'était très très lent par contre pour m'achever, toi. Hein. Ah, j'ai pas le droit à un plus gros combo. Hop les raté. Bon, c'est bien, ils en ont tué un déjà, mes archers. Oui, ils sont utiles. Raté. Oh non, oh, j'ai cru qu'il allait m'enchaîner quand même. Sous prétexte que... J'ai été bigleux, il y avait des... Raté. Il y avait des araignées. L'araignée, l'araignée est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend. Oh putain, et cet accord.
Hop les, bonjour. Veux-tu bien passer de mon côté? Merci. Vu la quantité de PV qu'il avait, ça peut être intéressant. Puis le seigneur du tonnerre s'est pété. Bah en retraite. Va pas te battre contre un Nazgûl, je pense pas que tu fasses le poids. Oui, celle-là je l'ai vue. Vas-y, viens, reviens, reviens. Hop les. Vas-y, voilà. Bah, je t'avais dit que t'allais le sentir passer. Non, non, je ne crois pas, non. Non, non. Je ne crois pas, non, non. Disparaît. D'ailleurs, on t'a laissé des flèches dans la tête, par contre. Désolé d'avoir à te le dire. Bien joué. Mais ce n'était pas le dernier combat. Et ce ne sera pas le dernier rituel. Oh. Tu crois? Quel dommage. Ça fait toujours de l'XP, de l'argent. Notre victoire aura un effet considérable. Ah bon? Nous avons pris l'initiative. Maintenant, ils seront obligés de se défendre. Nous avons mis l'ennemi. Oh, le désaccord entre. Comment elle s'appelle? Et je sais plus comment elle s'appelle. Eltariel et Celebrimbor. Ce que t'as fait sert pratiquement à rien, selon Eltariel. Et notre action se fait sentir. Merci Celebrimbor. On sent qu'on a entendu tout ce qu'elle a dit là, l'autre elfe. Il y a du respect entre les elfes. Ok, du coup, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. Merci de l'avoir allé. Moi je vais aller faire la prochaine quête d'Eltariel, donc à Minas Morgul. Et on se retrouve dans cette prochaine vidéo. Salut les gens, et yop.